Marie de Grève, bonjour. Vous avez participé à cette première recherche ONE Academy et vous êtes conseillère pédagogique à l'ONE dans le Brabant Wallon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Être conseiller pédagogique, c'est accompagner les milieux d'accueil, que ce soit petite enfance ou accueil temps libre, à réfléchir à leurs pratiques à partir de ce qu'on appelle le code qualité de l'accueil. Et donc c'est vraiment les accompagner alors à travers des dispositifs collectifs ou à travers des accompagnements individuels, de là où ils sont, vers où ils ont envie d'aller et réfléchir à ce qu'ils font pour un accueil de qualité des enfants. En résumé, je dirais que ça. Antoine Borighem, bonjour. Bonjour. Comme Marie, vous avez participé au dispositif de recherche action formation ONE Academy. Je vous laisse également vous présenter. Donc, je travaille ici au sein de l'ONE, à la direction recherche et développement, plus particulièrement à ce qu'on appelle la cellule soutien à la parentalité qui mène différents projets. Et moi, plus particulièrement avec ma collègue Marine Noël, nous accompagnons ce qu'on appelle le secteur des lieux de rencontre enfants et parents, les espaces parents dans la séparation et de ce qui devient un petit peu un secteur de services spécifiques de soutien à la parentalité. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est les lieux de rencontre enfants-parents. Ce sont des lieux, on en recense environ 180 en Fédération en ligne Bruxelles, qui accompagnent conjointement enfants et parents. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc ce sont des lieux qui accueillent enfants et parents dans un esprit de rompre l'isolement social, de trouver du plaisir, de passer du temps un petit peu hors de la maison et du quotidien avec son enfant, dans un lieu qui est dédié pour ça. On parle de lieu de rencontre enfants et parents parce que s'y rencontrent différents enfants, s'y rencontrent des parents, les enfants rencontrent d'autres parents et ils sont accueillis par des personnes qu'on appelle la plupart du temps des accueillants, qui sont des professionnels de la petite enfance, du monde psychomédico-social et donc qui ont initié ces projets. Alors, tous les deux, vous avez participé en fait à ce projet ONE Academy. Vous y avez joué des rôles similaires, mais chacun centré sur votre secteur. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quel était ce rôle et puis comment ça a évolué peut-être au cours des deux années de projet, de recherche? Alors, notre rôle, il était surtout... Il y avait des chercheurs, il y avait les participants du terrain, et puis il y avait nous qui étions au milieu. À la fois, on aidait les chercheurs en préparant les rencontres collectives, tant dans la préparation que dans l'animation sur place. Mais ce qu'on faisait aussi, c'était, quand on rencontrait les participants, c'était en fait poser des questions, questionner pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à ça, et faire le lien avec ce qu'on connaît de chaque... Enfin, tous les deux de nos secteurs, de comment ça fonctionne, peut-être dans d'autres milieux d'accueil. Et au tout début de cette recherche, on a signé une charte dans laquelle était un petit peu aussi signifié, précisé les rôles que chacun prenait. Et moi, je trouvais que c'était aussi très intéressant parce que nous, on était vraiment dans un rôle de participation, de réflexion. C'est vrai que, comme vous disiez, Marie, on prépare on a préparé ces réunions inter-équipe. On a vraiment participé quand même au processus de réflexion aussi. Donc, on a aussi mené des réunions préparatoires. Et là, on était associé avec les chercheurs. Et puis, dans les réunions inter-équipe, tout ça se triangulait aussi. Le terrain, les acteurs de l'ONE, les acteurs de la recherche. Et alors, peut-être un rôle de perspective, c'est après comment on va diffuser un petit peu tout ce travail dans nos secteurs respectifs. Ouais. Parce que sinon, ça va rester, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a une très belle énergie qui s'est dégagée de ce projet, de cette recherche-action-formation. C'est plutôt maintenant, qu'est-ce qu'on va encore en faire? Quels moyens on va se donner? Et donc, comment nous, on va aussi revenir vers le secteur? Est-ce qu'on remobilise les mêmes acteurs? Enfin voilà, donc là, il y a encore des questions qui restent et heureusement que tout n'est pas déjà clôturé. Mais donc, il y a aussi des perspectives, je pense. Et là, je pense qu'on va aussi peut-être avoir un rôle à jouer. Comment on va diffuser ça dans nos secteurs, sous quelle méthodologie, quand. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore des choses pour lesquelles... Alors là, peut-être on peut parler d'évolution de notre rôle après la recherche ou après ce premier temps de recherche.
D'accord. Et parce que c'est vrai que le projet, il était centré, ben, c'était centré sur 3 crèches et 3 lieux de rencontre. Donc c'est vraiment un tout petit groupe, mais en même temps, il y avait cette dynamique que vous nous avez expliquée où tout le monde était partie prenante, où tout le monde a participé à la construction du projet et puis à co-analyser finalement les résultats d'une certaine manière, chacun à sa place et à son rôle, mais à apporter des éléments au projet et à la recherche elle-même. Mais maintenant, moi j'étais intéressée de savoir aussi, vous personnellement, est-ce que votre participation finalement à ce dispositif a permis de changer ou va changer l'accompagnement que vous prodiguez aux crèches? Je dirais, alors pour ma part, oui, ça va changer les choses. Alors j'étais fort consciente et fort convaincue de l'importance de l'intelligence collective et de la co-analyse par différentes équipes de ce qui se passe chez les uns et les autres. Et cette recherche-action a mis ça encore plus en avant. J'avais déjà vu cette méthodologie chez un autre conseiller pédagogique. Et je dois dire que c'est vraiment intéressant d'avoir des moments de travail en équipe, des moments d'analyse avec des tiers sur l'évolution des choses ou sur l'évolution de la réflexion, et puis ce retour en équipe. Donc vraiment cet aller-retour entre terrain et réflexion plus abstraite et théorique, en tout cas, et cette co-analyse en fait. Ce que par contre je ferais sans doute plus, c'est faire en sorte que les équipes entières soient présentes autour de la table pour la co-analyse, parce que je pense que sinon ça fait peser beaucoup de choses sur les 2 personnes de l'équipe qui sont présentes au moment de la co-analyse. Après, elles doivent ramener ce qui a été expliqué en équipe, alors que là, on aurait l'occasion de mettre en place quelque chose de cohérent, de cohésion d'équipe, finalement, d'entendre la même chose. On part tous dans le même projet, en fait. Et donc, peut-être que ça fera gagner du temps. Enfin, j'essaierai peut-être des dispositifs avec l'équipe en entière qui est présente dans cette co-analyse. Oui, parce que l'idée du projet, c'était que les équipes, ou en tout cas les 2 représentants qui étaient là, un homme et une femme, reviennent vers l'équipe de la crèche ou du lieu de rencontre et à la fin de la recherche, ou en tout cas vers la fin de la recherche, proposent un petit changement, une petite modification ou un petit projet, si minime qu'il soit, mais qui ait l'adhésion de toute l'équipe en fait. Oui, c'est ça. Et qu'il soit même construit avec l'équipe et qu'il soit amené par l'équipe. Et donc, c'est vraiment un rôle clé, je trouve, dans cette recherche. C'est le rôle de ces 2 personnes qui étaient pivots entre les moments d'analyse et le reste de leur équipe qui, eux, n'ont pas vécu, n'ont pas entendu toute la richesse de ce qu'on a pu faire pendant ces journées, en fait. Moi, je dirais que oui et non en termes d'accompagnement du secteur. Oui, évidemment, ça donne de l'idée, ça donne de l'énergie sur la méthodologie, sur comment on peut utiliser des outils, des grilles, parce qu'on a quand même aussi utilisé des outils, des ressources, etc. Donc, comment tout ça pourrait être transposé peut-être dans d'autres projets. Je trouvais que c'était aussi intéressant de comment on mettait en place aussi une mise en projet avec différents acteurs. On ne pense pas toujours non plus à se tourner vers l'université. Et moi, j'étais surpris aussi de la facilité ou avec laquelle il y avait de l'intérêt aussi par des experts universitaires qui venaient volontiers discuter de tel et tel projet avec les équipes et à quel point ça enrichit aussi le débat. Et non, peut-être plus particulièrement dans le secteur des lieux de rencontre enfants et parents, où ils bricolent déjà parfois pour faire tenir leurs accueils, et c'est la priorité, c'est d'être là pour les enfants et les parents. Et puis, ben donc, je me dis, au niveau de la réflexion, il y a peut-être quelque chose encore à réfléchir. Mais donc, la réflexion, ça demande des moyens, ça demande du temps. Et donc, voilà, ça, c'est un petit peu en balance. Maintenant, le fait d'avoir pris un échantillon au lieu de rencontre enfant-parent, je trouve ça intéressant. Je me dis, tiens, peut-être que pour d'autres projets, il ne faut peut-être pas viser le secteur 180 lieux directement. Peut-être faire avec un plus petit échantillon et puis voir comment on peut diffuser et comment on peut apprendre. Et du coup, donc c'est là où je suis un peu plus partagé. C'est comment on fait aussi avec les énergies, les forces vives qui sont là. Mais en tout cas, ça donne plein de pistes quand même pour l'accompagnement. Et puis, ça donne de l'énergie aussi pour revenir vers le secteur en disant, ben voilà, il y a des choses qui se font. Mais c'est ce que j'allais dire, un des facteurs clés aussi de ce projet, c'est que c'est un projet à long terme et qu'on ne s'est pas vu toutes les semaines. On s'est vu
à des périodes étalées sur plusieurs mois à chaque fois, ce qui permettait cet aller-retour entre les co-analyses et le travail en équipe. Mais pour vraiment faire un travail de fond, comme on a pu le faire, sur le fond de la réflexion, en fait, il faut que les équipes soient d'accord de mobiliser plusieurs journées sur un ou deux ans pour aller vraiment au fond des choses, pour aller chercher des experts qui vont aussi donner un regard sur les situations qui sont analysées. Donc, c'est un facteur qui est quand même important, ça. C'est de mettre en projet l'équipe sur ce sujet-là qui va nous mobiliser pendant un ou deux ans, sans doute, pour arriver à quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'ils veulent, quoi. Mm-hmm. Oui, et c'est intéressant, justement, je trouve, cette longueur aussi, que ça n'ait pas été trop rapide. Et en même temps, ce n'était pas non plus trop lent. C'est-à-dire que c'était juste le bon rythme. Et donc, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais décroché du projet. Parce que tous les X temps, ben nous, en plus, on était sollicités pour préparer la prochaine réunion inter-équipe. Et donc, s'il y avait 3 mois, ben on se voyait 1 mois et demi. On avait chaque fois des PV qui arrivaient, etc. Et donc là, je pense aussi qu'il faut remercier l'Université de Liège pour cette gestion, je trouve, du temps qui fait qu'à aucun moment, on se dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, il y a cette réunion là, qu'est-ce que je dois préparer, etc. » Pas du tout. On était tout le temps dedans. Et donc, du coup, je reviens sur la question précédente sur notre rôle. Notre rôle aussi, c'était parfois d'amener des ressources et tous, chacun de notre place, on dit « Tiens, j'ai lu un article là-dessus, j'ai vu une émission là-dessus, j'ai vu un reportage là-dessus. » Et donc, il y a aussi quelque chose qui s'est co-alimenté parce qu'on n'a jamais décroché du projet, qui était toujours en filigrane, quelque part dans la pensée aussi. Donc, ça a été véritablement co-construit. Alors, vous avez abordé, on ne l'a pas encore abordé ici dans cet entretien, mais le fond, en fait, finalement, parce que c'est pas anodin non plus, c'était sur une thématique qui portait à discussion, qui amenait la réflexion. Et c'était donc la thématique des interactions entre les professionnels de terrain, donc des crèches ou des lieux de rencontre, et les pères, les papas. Est-ce que là, j'imagine qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant ces réunions et ces discussions avec les différents intervenants. Est-ce qu'il y a eu des moments aussi, pendant les réunions, de prise de conscience de l'influence du construit de genre sur les relations entre les professionnels et les pères, et les parents, en fait, même les pères et les mères, du coup. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'un de ces moments? Est-ce qu'il y a un de ces moments qui vous a frappé, qui était particulièrement intéressant? Moi, je me souviens de un, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a un, c'était lors de la rencontre avec Élodie Razi. À un moment donné, à un lieu de rencontre, se posait la question de est-ce que je fais venir les parents, enfin les papas à un moment donné, les mamans à un moment donné, et avoir peut-être un moment mixte où papa, maman pouvaient se rencontrer. La question qui était là derrière, c'était mais il y a la culture, enfin il y a des cultures dans lesquelles hommes et femmes ne se croisent pas, et donc est-ce qu'il ne serait pas opportun d'avoir des moments spécifiques père, mère et pour ceux que ça ne dérange pas mixte. Et l'éclairage d'Élodie Razi était intéressant parce qu'elle voulait éviter qu'on tombe dans ce qu'elle appelle le culturalisme, c'est-à-dire réduire la question à « c'est une question de culture », alors qu'en fait, c'est clairement une question d'individu. Chacun voit, a une approche particulière et qui lui est propre par rapport à sa culture, et donc avec la façon dont il souhaite vivre les choses avec le regard de sa culture. Et donc c'était vraiment se dire qu'on peut amener des réponses qui peuvent sembler simples, parce que c'est plus facile de faire un moment papa, un moment maman, un moment mixte, mais est-ce que c'est vraiment ça que l'individu papa ou l'individu maman recherche? Est-ce que ça correspond bien au papa de ce lieu de rencontre, au maman de ce lieu de rencontre, ou est-ce qu'il faut essayer d'ouvrir d'autres questionnements ou clairement juste leur poser la question. Mais donc c'est vrai que cette question de sens, de pourquoi est-ce que c'est mis en place, celle-là par contre elle est revenue mais hyper régulièrement pendant toute la recherche. Mais oui, ça c'est quand même un moment qui m'a assez bien marqué. Ne pas aussi réduire les réponses à une question de culture. Et ça touche aussi aux représentations, parce que avec ce que vous dites, il y avait aussi le
Enfin, moi, je me souviens de deux exemples. Celui de rencontre qui avait réfléchi aussi à sa communication, où le papa était plutôt quelqu'un de fort, etc. Et donc, il se dit, bah oui, finalement, qu'est-ce qu'on renforce comme stéréotype de genre, juste dans notre communication visuelle ou d'affiche, ou cet autre accueillant dans un lieu de rencontre qui disait, ben, moi, à un moment donné, j'ai décidé que c'était moi qui faisais la vaisselle, parce qu'une fois qu'on avait pris le goûter, toutes les mamans se précipitaient, ou toutes les femmes se précipitaient pour faire la vaisselle. Et la fois où j'ai dit, je vais faire la vaisselle, ben, y a eu quelque chose quand même un peu, pas d'un tsunami, mais voilà. Mais moi, j'avais décidé que je faisais la vaisselle, et que dans ma culture, et là, on revient aussi peut-être à la culture, les hommes peuvent aussi faire la vaisselle. Et donc, s'en est suivi aussi quelque chose de peut-être de renforcer aussi, finalement, à contrario, un autre stéréotype que, oui, les hommes peuvent faire la vaisselle. Mais donc, on voit bien quand même qu'il y a plein de choses qui se jouent et qui nous interpellent, qui peuvent renforcer ou déforcer des représentations, et que c'est pas aussi simple, et que c'est tout le temps en réflexion. Et alors, on espère que les choses bougent. Voilà. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, c'est que l'enfant soit confronté à de l'altérité. Et de l'altérité, il y en a déjà parmi les hommes, parmi les femmes, et puis de l'altérité de genre. Ok. Et donc, c'est peut-être pour ça, justement, que c'est important d'avoir des hommes professionnels qui interviennent dans le milieu d'enfance, dans les crèches ou dans les lieux de rencontre, alors que généralement, c'est quand même un secteur professionnel qui est majoritairement, et même très majoritairement, féminin. Alors pourquoi est-ce que c'est important finalement? Qu'est-ce que ça apporte en plus qu'il y ait un homme dans l'équipe d'une crèche, un homme dans l'équipe d'un lieu de rencontre, alors que généralement ce sont des femmes et c'est peut-être fréquenté aussi par les femmes en majorité aussi, quoique la recherche a montré un peu le contraire, qu'il y avait quand même pas mal d'hommes qui fréquentaient ces différents lieux ou qui venaient en tout cas. Donc pourquoi c'est important d'avoir des hommes dans les équipes? Je me lance. Comme tu veux. Moi, mon avis personnel, d'après toutes ces réflexions, c'est avoir un homme dans l'équipe, ça amène l'équipe à se poser la question de quelle est la place d'un homme dans l'accueil de l'enfant. Quand on est face à une équipe que de femmes, cette question-là, elle va sans doute pas apparaître sur la table. Et donc, moi, ce que je me demande aujourd'hui, c'est avoir un homme dans l'équipe, je pense que ça amène l'équipe à se poser la question de en quoi c'est bénéfique d'avoir un homme. Et par impact, comment est-ce qu'on fait avec les papas qui viennent dans le milieu d'accueil. Et je pense que ces équipes-là vont plus facilement aller réfléchir à cette question-là. Est-ce qu'on doit avoir une attitude différente? Est-ce qu'on doit faire attention à quelque chose de différent parce qu'il y a le papa qui est là? Est-ce qu'on doit mettre en place des choses pour que papa se sente peut-être mieux dans le milieu d'accueil? Alors peut-être que des papas, effectivement, ils ont plus facile d'aborder des questions avec un homme, mais dans les vidéos qu'on a vues pendant la recherche, le puériculteur, il accueillait le parent, les grands-parents même aussi, de la même façon, qu'ils soient hommes, femmes, grands-parents. Peu importe, ce qui compte, c'est l'enfant, c'est pas le genre que l'un ou l'autre a pour aller récupérer ou rendre l'enfant. Ce qui compte, c'est l'enfant est là et je vous raconte la journée qu'il a eue et c'était limpide avec lui. Il y a eu d'autres exemples sur le fait de on s'adresse de la même façon à papa et à maman quand ils sont là. Mais c'est papa vous, papa maman vous. Mais c'est chers parents, et on a beaucoup renvoyé, en tout cas dans le regard que j'ai de cette recherche, on a plutôt renvoyé vers les parents, quels qu'ils soient, que de mettre le focus sur papa ou sur maman. Enfin, je ne sais pas ce que tu dis. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de voir qu'à partir des papas, finalement, on revient aux parents. Donc je me demande si on avait fait une recherche sur les mères, est-ce qu'on serait allé aussi vite vers les parents? Mais ça, je ne sais pas. C'est peut-être un petit clin d'œil. Moi, je me souviens aussi de quelqu'un qui travaillait en crèche qui expliquait qu'au niveau de la familiarisation, le fait qu'il soit un homme, il était aussi attentif de proposer cette familiarisation au papa. Et là, moi, j'entendais quand même qu'il y avait quelque chose qui avait bougé, qu'avant, a priori, on proposait la familiarisation, mais d'office,
Il y avait comme ça quelque chose d'un peu d'un accord tacite, ce serait la mère qui viendrait à la familiarisation. Elle lui disait, mais moi, je dis, ben, monsieur, si vous voulez, vous pouvez venir à la familiarisation. Enfin, vous pouvez venir, ou en tout cas, il insistait, ou il y avait quelque chose qui permettait que le père sentait aussi qu'il pouvait tout à fait être présent à ce moment-là. Donc, moi, je me souviens de ça. Donc, quand vous demandez l'importance des hommes dans la petite enfance, et puis, ben, on sait bien aussi que dans la petite enfance, ben, les enfants sont face à des... On dit, à des représentations de ce qu'ils seront peut-être adultes de demain, ou en tout cas des possibilités d'être adultes. Et donc c'est peut-être aussi intéressant de voir que les stéréotypes qu'on associe aux uns et aux autres ben, se reflètent peut-être pas tout à fait. Enfin, donc voilà. Et que ben, peut-être que si à la maison, papa est peut-être moins dans le câlin, ben, à la crèche, peut-être que l'homme va être plus dans le câlin ou dans les soins ou peu importe. Enfin, je reviens toujours un peu avec cette idée que les enfants se confrontent à de l'altérité, et différentes manières de faire et qu'ils puissent se construire vraiment en sécurité face à ces différentes représentations. Et on est dans une société où il y a des genres et donc ben, très petit, je pense que ça peut amener quand même un peu... autre chose dans la dynamique aussi qui peut être proposée. Voilà, s'il y avait une nouvelle recherche ou de nouvelles activités qui devaient être lancées pour les crèches ou pour les lieux de rencontre sur cette thématique de genre, est-ce que... Ouais, ce serait intéressant, cette fois-ci c'est moi qui prends la parole. Ce serait intéressant de consulter aussi les parents et les enfants. Ouais. Parce que finalement, tiens, est-ce que c'est différent pour un enfant qui aurait été en crèche, confronté à un homme puriculteur ou un enfant qui n'aurait pas été confronté. Je pense que ça se rejoue aussi à l'école préscolaire, qu'on appelle école maternelle, soit dit en passant, ça dit peut-être déjà aussi beaucoup. Enfin aussi parfois sur les appellations qu'on donne. Hein. Nous, on s'est vraiment, obligé à chaque fois de parler des puériculteurs, alors que dans les faits, on sait qu'il y a beaucoup plus de puéricultrices. Mais voilà, je pense qu'aussi, si dès le départ, on réfléchit aux termes qu'on donne aussi, et donc moi je me dis peut-être que ce sera intéressant aussi d'interroger les enfants et il y a des méthodes hein, je pense qui existent pour pouvoir consulter la vie des enfants et peut-être aussi des parents parce qu'on sait aussi par ailleurs qu'il y a des parents qui posent quand même la question de tiens il y a un homme dans votre crèche qu'est-ce que c'est que ça ici aussi enfin, ça c'est aussi des choses qu'on nous a déjà renvoyées hein, où c'est pas, ça va pas quand même de soi qu'il y ait des hommes dans les crèches. Donc, je me dis, ce serait aussi peut-être intéressant de savoir, tiens, qu'est-ce qui ferait point de friction ou frein, alors que pour nous, on voit plutôt la présence des hommes comme un levier. Mais est-ce que tout le monde voit la présence des hommes dans la petite enfance comme un levier et pas comme un frein? Enfin, ça pourrait être aussi intéressant de voir si c'est un levier, un frein pour qui, pourquoi, comment et quand. Et peut-être aussi de voir un peu aussi au niveau international. On sait aussi qu'il y a des pays où c'est un peu plus développé. Et peut-être qu'on arrivera alors aussi, peut-être aussi sur des questions de formation initiale. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes encore à l'heure actuelle qui sont plus représentées dans la petite enfance que d'hommes. Mais donc, enfin voilà, on est dans quelque chose de peut-être plus global et peut-être que je me suis un peu dispersée en répondant à votre question. J'aurais dit pareil. Non, mais c'est vrai, la recherche sur pourquoi est-ce que... moi, j'essaierais de comprendre qu'est-ce qui, dans notre société, alors, parce que je pense qu'il faut quand même ancrer ça dans un espace-temps qui existe, pourquoi est-ce que dans notre société, c'est l'éducation et les métiers liés à l'éducation de la petite enfance sont majoritairement féminins? Qu'est-ce qui fait que c'est de l'ordre toujours de la fonction maternante hein, on en parle aussi dans les théories ou pas. Alors c'est vrai qu'il y a, pas beaucoup de valorisation de l'homme qui prend cette place-là dans notre société. Là, on en revient à cette question de la culture. Mais j'aurais presque envie de l'espérer. Et tout comme il faut travailler peut-être aussi sur ce congé parental. On en a parlé de ce congé parental dans la recherche aussi. Mais le puzzle, il bougera si effectivement il y a plein de petites choses qui bougent à plusieurs endroits, si c'est dans la formation initiale, si c'est dans la représentation qu'on a de l'homme avec l'enfant. Oui, il peut être très maternant aussi. Voilà, bah c'est peut-être le mot de la fin, que les hommes peuvent être très maternants aussi. Voilà, merci beaucoup.